super bien. Donc ce véhicule se veut un compromis entre le meilleur de la voiture et le meilleur du vélo. Et donc du coup c'est un véhicule qui roule à 45 km/h, qui a des pédales, qui a des panneaux solaires, mais qui peut transporter 300 kg de charge utile, 1,5 m3, et qui se veut extrêmement polyvalent. On peut changer la partie arrière, avoir de la caisse équipée, du pick-up, on peut avoir plein d'usages différents. Alors du coup, ça marche comme une mobilette, vous accélérez là, oui. Vous tournez la poignée, oui. Et après vous avez les freins. D'accord, c'est tout. Et après on tourne. Voilà. Alors quel est ce partenariat avec Mitipil? Pour l'hôpital, c'est important qu'on se pose la question de notre empreinte environnementale. Et puis pour l'hôpital de La Rochefoucauld, c'est une zone rurale, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. La question du déplacement domicile-travail, c'est fondamental. Et les premiers véhicules seront livrés à La Rochefoucauld, qui est donc notre premier client, en septembre 2023. Alors l'idée, c'est qu'il y en ait un pour les services techniques, parce qu'il y a 5 bâtiments et donc il y a des allers-retours quotidiens et donc ça peut très facilement s'envisager. Un autre qui est réservé pour les médecins de garde qui doivent aller eux aussi d'un bâtiment à l'autre et donc c'est quelque chose de confortable et facile. Et puis 3 qui vont être proposés au personnel volontaire pour que dans leur vie quotidienne, le temps de 15 jours, ils fassent une comparaison avec leur vie en voiture aujourd'hui et leur vie demain avec ce type de véhicule pour mesurer l'impact carbone, l'impact financier et le gain de temps.